Noi abbiamo una base solida dei giocatori. On a une base très solide des joueurs. E sulla convocazione mi baso anche su un gruppo solido che si conosce. Et quand je fais une convocation, je me base aussi sur un groupe qui se connaît et qui est connu. E dall'altra parte ce l'abbiamo ancora tutte le volte le possibilità di convocare nuovi giocatori. Et d'autre part, on a pensé aussi qu'on a la possibilité de convoquer d'autres joueurs à chaque stage qu'on a. Così cerco sfruttare tempo e velocizzare tempo per conoscere maggior parte dei giocatori. Avec ce système, je cherche d'exploiter au maximum la possibilité de connaître aussi de nouveaux joueurs et de connaître le groupe des joueurs qu'on a à disposition. E cosa per me è molto importante conoscerli sul campo. Et pour moi la chose la plus importante c'est de les connaître sur le terrain de foot. Conoscerli nel gruppo. Les connaître dans le groupe. Perché non è detto che convoco sempre migliori giocatori che sono tecnicamente e visualmente migliori. C'est pas automatique que je vais convoquer des joueurs qui sont les meilleurs sur le plan technique ou sur le plan visuel. Importante tecnica, tactic, mental, sacrificio. Ce qui est très important, c'est la phase technique, c'est la phase tactique, c'est la phase du sacrifice, la capacité d'exploiter les qualités de chaque joueur. Togo, una squadra che potrebbe avere un valore per competere per seconda, terza posizione. Le Togo, c'est une équipe qui a la valeur football pour jouer la deuxième ou la troisième place. E sicuramente ha fatto anche piccola sorpresa anche contro Guinea Equatoriale che ha pareggiato la partita. Ils ont aussi fait une petite surprise avec le match nul joué contro la Guinea Equatoriale. Sono come squadra abbastanza coraggiosi. C'est une équipe qui a du courage. Ce l'hanno loro qualità, ma anche debolezze. Ils ont sûrement des qualités, mais ils ont aussi des faiblesses. Noi non abbiamo tantissimo tempo di curare tutti i dettagli in confronto dell'avversario. Nous n'avons pas le temps de contrôler tous les détails par rapport à l'adversaire. Per questo io preferisco basarsi su nostre qualità. C'est pour ça que moi je me préfère me baser sur les qualités de mon équipe.